Écris COVID-19, s'il te plaît. COVID-19. Écris ça rapidement. Écris COVID-19. Écoutez-moi. Le COVID-19 est une maladie qui est arrivée. Oh. Et cette maladie-là a choqué le maximum de personnes. Le COVID-19 est une maladie qui est arrivée sur la Terre, sur la planète Terre. Amen. Vérité. Et ça a choqué le maximum de personnes. Les journalistes étaient choqués, le ballet était choqué, les chanteurs étaient choqués, tout le monde était choqué. Vérité. Beaucoup de personnes étaient choquées par rapport à ce qui est arrivé dans ce monde avec le COVID-19. Mm-hmm. Amen. Amen. Ça a choqué le maximum de personnes dans le monde entier. Et les gens se posaient la question, mais où on va mettre la tête et tout ça? Oh. Et donc maintenant, ils ont institué quelque chose qu'on appelle le vaccin. Amen. Amen. Vaccin là même, tu te piques, mais tu peux avoir coronavirus encore. Hey. Donc, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas où mettre la tête. La confusion. Tu te piques à un vaccin là, mais tu vas à l'hôpital, on dit, madame, vous êtes vacciné, mais vous pouvez attraper quand même le COVID-19. C'est ça. Donc, tu te poses souvent la question, mais je vais essayer de faire vacciner là, mais c'est pourquoi? Amen. Amen. Donc le COVID-19 est venu et puis ça a chamboulé la vie de plusieurs personnes. Vérité. Amen. Amen. Ça a gâté des business, ça a gâté des affaires, ça a gâté beaucoup de choses. Vérité. Donc les gens étaient vraiment scandalisés et abasourdis par rapport à la venue du COVID-19 dans le monde entier. Amen. Amen. Mais vous le savez comme moi que j'étais l'un des rares hommes de Dieu à pouvoir annoncer par rapport à cela. C'est la vérité. Je vous avais dit ça dans le mois de septembre, si je ne me trompe pas, 2019, qu'il y avait une maladie qui est arrivée, qui allait commencer au niveau de la Chine et qui allait bouleverser le monde entier. Amen. Amen. J'avais pris le temps de vous annoncer cela, mais malheureusement, les gens n'ont pas pris garde. Mm-hmm. Amen. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce soir. Ce que je veux dire ce soir, c'est que si nous ne faisons pas attention, il y a un autre virus qui sort de préparer qui a sorti. Oh, oh, oh. Révèle, prophète. Écoute-moi, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Et ce qui était dit ne manque point d'arriver. Amen. Et tu comprends ce qu'il dit? Si on ne prie pas dans le monde spirituel, si on ne prie pas, hein, j'ai vu comme quelque chose d'autre arriver. Prions au nom de Jésus. J'ai vu quelque chose d'autre arriver. Oh. J'ai vu une autre maladie commencer à naître. Il y a quelque chose d'autre qui va sortir et qui va commencer à détruire encore les enfants de Dieu. Oh. Mais la chose que je vois là, c'est bizarre. C'est une chose qui sera corporelle et qui sera sexuellement transmissible. Jesus Christ of Nazareth. Vous avez vu comme dans les années précédentes, il y a une maladie qui était venue comme par magie qu'on appelle le sida. Vérité. Après, ils ont parlé d'hépatite B, hépatite C, il y a des maladies sexuelles. Eh, c'est venu encore. Oh, oh. Mais oh. Je vois une maladie sortie comme ça qui se transmet comme par la peau, tu vois, et puis par les relations sexuelles. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse en prier par rapport à cela. Amen. C'est comme ça qu'il était parlé par rapport au COVID-19 il y a 2 ans de cela. Tu as dit que non, le prophète, là, regarde ses cheveux, il parle comment même? Oh. C'est un bandit. Prions. Au jour d'aujourd'hui, prions. Tout le monde porte masque. Mm-hmm. Même pour aller à la mosquée, tu portes masque. Pour aller à l'église, tu portes masque. Partout, même au supermarché, tu portes masque. Vérité. Elle était d'accord avec moi. Vérité, homme de Dieu. Pourtant, l'Esprit de Dieu a pris le temps de pouvoir nous annoncer par rapport à toutes ces choses. Alors ce soir, je vais te parler par rapport à cela. Parle-nous. Afin que tu puisses commencer à prier. Au nom de Jésus. Lorsqu'on se retrouve à 22h de Paris, c'est pour l'intercession. Amen. C'est pas pour la prière, c'est pour l'intercession. C'est pas pour autre chose. Yes. Amen. Amen. C'est pour l'intercession. Amen, amen. Pour que nous puissions prier, intercéder dans le monde spirituel. Amen. Amen, amen. Parce que COVID-19 va arriver, les gens disent encore prendre le vaccin. Vaccin là, tu as pris là. Mais il y a des gens qui ont COVID-19 encore. Vérité. Tu as pris le vaccin, mais tu peux contracter encore le virus. Exactement. Et tu poses la question, mais il n'y a plus de vaccin là, c'est pourquoi? Eh bien, ils disent qu'ils ne savent pas. Je me rappelle la dernière fois, j'étais dans un véhicule avec une jeune dame, je parlais avec elle, je lui disais, mais madame, vous êtes dans la médecine. Alors le COVID-19, quand on prend le vaccin, c'est pourquoi en fait? Elle dit, ben moi je sais pas, mais en tout cas on prend le vaccin, c'est un titre préventif, hein, mais tu peux toujours attraper le COVID. Hein. Mais elle dit, mais ça permet de faire quoi maintenant de se vacciner là? Amen. Amen. Ton vaccin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il va t'empêcher d'entrer dans la débauche et dans la dissolution. Au nom de Jésus. Il va t'empêcher de pouvoir avoir les maladies terribles. Alors, il y a des maladies sexuellement transmissibles qui vont commencer à sortir dans le monde spirituel. Oh. Et te dis ça afin que tu puisses commencer à prier. Prions au nom de Jésus. Donc, on va dire que quand tu parles là, tu n'entends pas. Il faut que tu parles afin que tu puisses capter les paroles qui sortent de ma bouche. Amen, amen. Et tu comprends ce qu'il dit. Il y a des maladies qui vont commencer à sortir dans le monde spirituel. Hey. Et ces maladies vont commencer à attaquer la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Protège-nous. Si elles ne te parlent pas de ça, ce ne sera pas bénéfique ni pour toi ni pour ta destinée. Protège-nous. En tant que prophète des temps de la fin, je me dois de pouvoir t'annoncer les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen, amen. Tu comprends? Et c'est pas là seulement pour te dire, reçois la bénédiction et la grâce. Quoique cela est tellement facile de le faire, de dire ton nom et ton prénom. Hosanna. Il peut être là comme ça et puis il parle à une personne qui est là. Il te dit ton nom, ton prénom, ta ville, ta date de naissance. Hosanna, gloire à Dieu. Mais tu veux qu'on fasse essayer un peu. Amen. Amen, amen. Mais Dieu me dit d'abord de parler par rapport aux choses qui vont arriver dans la suite.
d'État. Parle, prophète. Alors voilà une maladie que les gens vont voir dans le monde spirituel pour détruire la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont assis comme cela? Ils sont assis et puis ils sont en train de réfléchir comment faire pour diminuer la population. C'est la vérité. Je n'étais pas en tant que prophète. Moi, je ne suis pas scientologue, je ne suis pas robotique, je ne suis pas dans les N, je n'étais pas en tant que prophète. En d'autres termes, je suis prophétique. Amen. Et la prophétie est l'un des moyens les plus sûrs de connaître les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Vérité. C'est plus sûr que la médecine. Amen. C'est plus sûr que les études que tu fais, les études de droit et de je ne sais pas. Donc si tu dis que il faut qu'on puisse commencer à prier par rapport à ça, 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 c'est qu'il faut qu'on puisse commencer à prier. C'est comme ça qu'il t'a parlé du Soudan et tu as négligé cela. Et donc nous sommes en train de voir ce qui se passe au niveau du Soudan qui est désastreux et terrible. Amen. Amen, amen. Où t'es au Soudan actuellement? D'accord? C'est comme ça qu'il te parle et tu ne prends pas garde. Et il t'a dit d'ici 2023, il y a un coup d'État encore qui se prépare au Mali. Oh! Il t'a dit aussi que Emmanuel Macron, c'est fini pour lui, c'est son dernier mandat. Amen, amen. Il dit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Sauf si c'est Jésus. Dis Covid-19. Covid-19. Alors, à part le Covid-19, il y a une autre maladie qui sont de préparer dans le monde spirituel. Oh. Amen. Amen. C'est comme les gens veulent diminuer la population. C'est comme les gens veulent abrutir la population. Hey. C'est comme les gens veulent diminuer la population. Révèle, prophète. Révèle tout. Mais il m'a te dit quelque chose de terrible. Dis-nous, prophète. Je peux te parler. Parle-nous, homme de Dieu. Est-ce que vous savez que les Chinois sont nombreux? Oh. Les Indiens sont nombreux. Vérité. Est-ce que vous savez ça? C'est la vérité. Okay. Les Chinois et les Indiens sont très très nombreux. Vérité. Mais dans leur plan, hein, ce n'est pas les Chinois même qui vont diminuer. Ce n'est pas les Indiens. Mais c'est l'Afrique qui veut le diminuer. Oh, oh, oh. Mais comment le diable peut être aussi terrible et dangereux? Ce que je vais dire, c'est assez pertinent. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est assez pertinent. Amen, amen. Parce que le continent qui prie le plus au monde, c'est le continent africain. C'est la vérité, homme de Dieu. Dans tous les 6 continents, là, le continent qui prie le plus, Hosanna. C'est le continent africain. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, c'est comme si les prières que nous sommes en train d'envoyer dans le monde spirituel étaient dérangées le maximum de personnes. Vérité. Il veut diminuer la population. C'est la vérité. Il veut diminuer le monde entier. Vérité. Il veut créer des choses assez abominables. Vérité. Mais nous déclarons ce soir. Yes. Tout plan satanico-démoniaque est brisé. Au nom de Jésus. Je dis tout plan satanico-démoniaque est brisé. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan est en train de préparer dans le monde spirituel est cassé. Au nom de Jésus. Est neutralisé. Au nom de Jésus. Est brisé. Au nom de Jésus. Par le feu. Au nom puissant. Par le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quel est ce médicament qui sont de préparer dans le monde spirituel? Quel est ce produit que les gens sont en train de préparer spirituellement pour détruire les enfants expose de Dieu? Expose leurs œuvres. Expose. Ce soir. Yes. Je prie pour toi et pour ta destinée. Oh yes. Toute contagion négative est brisée par le feu. Au nom de Jésus. Alors, ils sont en train d'envoyer un produit terrible dans le monde spirituel. Ils sont qui va se faire par Ratabra, Ida Ratabra. Tu vas voir que France 24 va parler de ça. Amen. Il t'a dit que le coronavirus, ça va muter, non? Tu te souviens? Il t'a dit que le Covid-19 s'est sorti, mais le Covid-19 allait prendre une autre forme. La vérité. Et plus tard, tu as vu que le Covid-19 a muté, même en Angleterre, ça a muté, même en France. Vérité. Ça a muté. On a dit, ça s'appelait comment? Méta ou bien bêta, là. Le Covid-19 a muté. Il est devenu un autre nom encore. Il est devenu plus dangereux, plus méchant. Exactement. Et quand il te dit quelque chose, c'est que la chose est vraie. Vérité, homme de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous comprenons, homme de Dieu. Voilà pourquoi il te dit qu'il faut qu'on puisse prier pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'on prie. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.